Allô, bonjour. Alors, le timer. Hop. Ok. Salut, Charlot. Donc, je m'étais arrêté où? Oui, je venais de battre le retour du tank et du coup les autres membres de l'équipe sont revenus. Et donc, je suis censé retourner à la BGU, je crois. Il me semble. Ouais, bon, ben go. Sachant que, vu ce qui va suivre, je pense qu'il va encore falloir que je joue un peu aux cartes. En vrai, non, je suis pas obligé de le faire, mais je vais pouvoir finir la quête du club CC. Et aussi, je vais bientôt avoir accès à des nouveaux persos qui donnent des nouvelles cartes. Mais après, ouais, non, en vrai, je suis pas obligé de les faire tout de suite, donc j'irai faire d'autres choses avant. Ah, il y a Irvine. Bon, je crois qu'à partir de là, Irvine, il s'est un peu calmé. Il est un peu moins chiant. J'avoue, pourquoi tu me suis? Ok, donc faut aller au campus. Bon bah non, c'est toujours un lourdingue. Bon, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça? Eh non, en fait, on a le droit dans le CD1 et après. Après, c'est fini. Ah, j'ai reperdu des. Je vais repasser quelques tests du site là pour augmenter mon salaire. Niveau 13. Bon, je vais bourrer avec la réponse parce que. Sinon c'est chiant. Enfin en soi c'est intéressant mais il y a beaucoup trop de questions en fait. Hop.
suis allé, niveau 16, on verra ce que ça donne. Mon rang est passé à 20, what the fuck. Bon. 20, ça me fait 15 000 balles de salaire, c'est bien. Ah mais j'avais pas vu que le campus avait pris cher comme ça. Ah mais c'est quand on s'est crashé contre la... Oui d'accord. Salut Delta. Tout tourne autour de lui. Pas juste être sympa sans faire des vieux commentaires lubriques derrière. Mais du coup, c'est bien. C'est EDA qui a créé les sites d'EDA, donc elle doit bien se douter qu'ils existent. C'est eux qu'elle devrait chercher, non? Elle doit bien se douter que Hélène se cache avec eux. C'est bizarre. Ah oui, le proviseur qui prend ses responsabilités, attention. Thank you.
Allez hop. Ça délègue toutes les responsabilités. C'est parti. Sur un gamin de 17 ans, je sais pas quel âge il a, mais... Ça va, calme-toi. Salut Oxydo, merci pour le raid. Et bonjour à toutes et à tous. Salut Pépin. Je sais plus laquelle des deux musiques il faut choisir, mais je vais prendre la plus marrante. Salut Max. Alors, oh, je sais plus ce qu'il a. Ouais, mais j'ai pas envie de jouer à Isamé. Je crois que ça change rien si tu prends l'autre, non? L'autre la trouve plus marrante. Et après, je sais plus quel perso joue quoi. Je sais plus si, genre, chaque perso a... Genre un instrument de prédilection. Ok, donc ça c'est pour le slow, non? Calme-toi. Ça va être la guitare normale du coup qu'il faut pour la gigue. Ouais, c'est, je me rappelle de l'air à la flûte. Ok. Ça on prend Irvine. Irvine, il va nous faire des claquettes, hein. Ça me paraît approprié. Parfait. Selfie du coup.
Il reste quoi? Il reste violon et flûte. Allez, flûte et violon pour quister ça. Très bien. Quistis qui a dit qu'elle savait pas jouer d'un seul instrument et là elle joue du violon, trop bien. On s'ennuie, le mec il vient d'être nommé général du truc là et il s'ennuie. Big mood. Et ça, en plus, c'est même pas la bulle des pensées, hein. Ça veut dire qu'il le dit, ça. Ouais, super. Prédateur. Quoi de neuf, tête d'œuf? Putain, n'empêche, ils ont installé une scène de ouf. Ils l'ont installé devant la maison du maire. Aucun respect. Oui, il y a un décalage avec le lancement des instruments.
Je me souvenais pas de cette partie-là de la musique. D'ailleurs, c'est pas le même endroit où il y avait le Martin, là, le proviseur de Galbadia. Ouais, c'est la gigue. Ça colle mieux à la scène, je trouve. Cette roulade. Il essaie de la frapper quand même. Yes, ça marche sur les panneaux solaires. Puis on s'empoisonne. Ah non. Ouais, il a simulé une claque, mais il a simulé une claque, quoi. C'est pas anodin comme geste. Enfin, calmement avec les autres qui jouent la gigue à côté, là. Oh, il s'arrête pas. Vous avez pas des crampes là? Ah, c'est bon. Suivant comment c'est fait, c'est pas forcément agressif. Ouais, mais enfin, c'est un. C'est une imitation d'un geste agressif, quoi. Enfin, c'est. C'est violent par essence. Même si tu frappes pas vraiment. Hein. Il y a une idée de menace et de domination qui est pas du tout... Bref. Je suis pas d'accord avec le fait que ça soit anodin. Et
y a plein de façons de gérer la colère et la frustration autre que simuler un geste violent. Je m'y ferai jamais aux coupures de musique de cette version, elles sont vraiment brutales à chaque fois. Attends, mais je suis général de la BGU et je dors toujours dans la même chambre. Ils peuvent pas me faire une petite amélioration là? Oui, c'est sûr que Squall, c'est pas le c'est pas le mieux placé en termes de gestion d'émotions. Bon, après, c'est pas le pire non plus, parce que autant lui, il a tendance à tout bottle et à tout garder jusqu'à ce que ça pète. Autant Cypher, il a tendance à rien filtrer. En fait, les deux, c'est les deux pires façons de gérer les émotions. C'est les deux côtés du... Enfin, les deux extrêmes du truc. Omedetto. Eh mais... Nida, il a pris du grade, là, quand même. Au final, il est à ce poste-là juste parce qu'il a eu la promotion du CID en même temps que nous, quoi. Sinon, ce serait resté un random, là. À jamais. Putain, mais ils ont tellement... En fait, ils ont tout retapé. Genre, il n'y a plus le... l'écran avec tous les trucs, là. Ils ont juste mis une espèce d'estrade et un gouvernail géant. Ouais, Chou, elle est cool. Bah, dès le début, c'est elle qui gère un peu tout. C'est genre Quistis, mais en mieux. Enfin, en plus pro, quoi. Alors que techniquement, elle est un grade en dessous, non? Parce que... Non, Quistis, elle a fait partie du CID, mais elle y était plus parce qu'elle est trop vieille, je crois. Donc c'est pour ça qu'elle est devenue instructrice. Donc Chou est juste plus jeune, quoi. Et allez, c'est devenu le pilote officiel. Mais qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Ok, c'est une idée comme une autre. C'est vrai qu'une équipe parallèle sortait. Il aurait pu y avoir avec Cypher, Fujin et Raijin, mais bon, ça éclate un peu vite de son côté à lui. Mais ouais, parce qu'au final, genre pendant l'attaque de la BGU là, avec tous les Templiers et tout, on voit plein de membres du CID, mais bon, ils sont tous random quoi. Ça aurait été bien d'avoir plus de persos reconnaissables, même si c'est genre deux ou trois lignes de dialogue, c'est toujours ça. De prix. Ah oui, donc elle fait partie aussi du truc. Du club. J'aime bien, on est en train de parler de l'avenir de la BGU et tout, et là d'un coup elle parle des cartes. Ouais, on décolle. Je me demande à quel point ça secoue quand la BGU elle décolle. Ça doit pas être très agréable. Je
Alors, j'ai pas le droit de prendre celle-ci parce que du coup elle se repose. Je vais prendre Irvine. Ils ont beaucoup de retard niveau expert. Irvine et Zelle du coup. Et du coup... Tac. Et tac. Attends quoi? Pourquoi ça lui a pas augmenté ses PV là? Ah, je crois que vu qu'ils ont quitté l'équipe, toutes mes GeForce, elles sont plus associées. Ça a juste transféré les magies. Alors, marche avant, marche arrière, ok. Bah, il n'y a pas de friction, mais il y a quand même une propulsion, quoi. Donc, il doit y avoir un petit... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Genre si je fais des avant-arrière comme ça, là, ça va quand même un peu secouer dedans, non? Je sais pas trop. Alors du coup, je peux enfin bouger un peu, même s'il y a cette frontière-là qui m'empêche de d'accéder à tout ce continent-là, entre autres. Mais du coup, j'ai accès à tout ça. Tout ça aussi, je pense. Je sais pas si je peux aller jusque là-bas. Oui, si, si, je peux aller là. D'ailleurs, il y a une quête là-bas, il me semble. Donc c'est le premier moment où on peut faire un peu de quête annexe. Et par contre, ouais, il me faut une plage pour monter, il me semble. Hop là. Stylé. Alors attends, je vais juste sauvegarder comment on descend. Je vais sauvegarder avant de faire le combat de cartes contre Chou, parce que, à mon avis, elle n'est pas gratos. Ah oui, il faut que je... Merde. Il faut que j'associe les trucs. Alors, c'était quoi mes équipes? Je sais plus. Et je sais plus à quelle magie elles correspondaient. Je crois que Selfie, j'ai mis sur Zelle. Donc lui, il a Shiva, Ondine... Et Léviathan, je crois. Et du coup, Irvine, il a Golgotha, Taurus, Nosferatu. Michel. Ah oui, ça a changé en fait depuis. J'ai chopé tellement de magie partout que... C'est un peu le bordel. Donc ça c'est toujours bien. Ah, zombie. C'est peut-être pas une bonne idée, zombie. Hein. Je suis pas très saucé. Somni, ça peut être bien d'infliger Somni. Ou cyanure. Seigneur, il est où là? En vigueur. Ah ouais, mais vigueur, c'est mieux de l'avoir là, je pense. Quoique, avec 6 ultima, j'ai autant qu'avec 100 seigneurs, quoi, c'est ridicule. Je vais mettre ça là et seigneur ici. Comme ça, j'empoisonne en tapant. C'est stylé. À chaque fois que je dis c'est stylé, je pense au mec des pets fouf. Ah oui, moi j'appelle ça un pet fouf, c'est stylé. Bref. Ça par contre c'est pas ouf, non? Y'a pas mieux? Ah, ça c'est pas mal. Pourquoi y'a une étoile sur le poison? J'ai jamais vu. Ah, parce que j'ai dépassé les 100 en fait. Ah oui, donc on peut avoir plus que 100. Incroyable. Ok, bon, je vais pas m'embêter avec ça pour le moment. Oh, il y a un train. Alors, chou, allons-y. Je vais me faire ouvrir.
Les règles d'horizon, mélangeant. Bah non, pourquoi tu veux ajouter les règles d'horizon? On n'est pas à horizon là. Ah, c'est peut-être parce que moi j'ai. Oui, ok, elle a dit tu connais, donc en fait c'est moi qui ai appris les règles d'horizon. Ça c'est quoi, c'est Timber? Juste re-sauvegarder comme ça. Si je perds aux cartes, j'aurai pas à refaire toutes les associations. Alors, c'est quoi les règles? Open, ok, mort subite, ok. Élémentaire, j'aime pas trop, mais bon, on va faire avec. Échange. Bon, mort subite, ça veut dire qu'il faut que je gagne absolument. Sinon, ça va être la merde. Ok, donc là, elle a pas sorti de carte particulièrement forte. Enfin, il y a Fujin et Raijin, mais je les ai déjà. Ça me paraît faisable pour le moment. Sa valeur max, c'est 8. Mais ça là derrière elle va reprendre les deux je pense. Ah bah ben non elle pourra pas. Si elle pourra avec Fujin et Raijin. Par contre si je mets là, elle pourra reprendre que celui du milieu. Je mets quoi? Ok, je m'attendais pas à ce move là mais soit. C'est normal. Est-ce que j'ai de quoi prendre tout dans l'angle? Apparemment. C'est l'un ou l'autre. Bon, peu importe du coup. De toute façon, il pourra pas reprendre ça et faire. Vas-y. Le roi des cartes. Je me demande bien qui c'est. Ok. Putain, c'est chiant qu'il n'y ait pas de point de sauvegarde. Il y en a peut-être un en bas, en fait. Non. Qui est cette personne? J'aurais pas dû faire ça. Ça se trouve, il est giga fort. Ok, non, ça va. Enfin, il a quand même des cartes pas dégueu. Je fasse gaffe. Ok, si je lui prends l'écorché, là, je peux. Enfin, il pourra pas le reprendre derrière. Mais j'ai rien pour le prendre ici. Embêté. Je tente des trucs. C'était pas une bonne idée de tenter ce truc-là. Il se met à gauche. Ah non, il se met à droite. Bon, ça me va aussi.
Oh merde, du coup j'ai implanté la règle que j'aimais pas. Bon, il faudra que je rebatte. Enfin, il faudra que je réaffronte Chou parce qu'il me semble qu'elle a une carte intéressante. Je vais aller sauvegarder d'abord. En vrai, ça va plus vite de sauvegarder sur la world map. Est-ce que je... Ouais, je suis pas obligé de les faire maintenant, les cartes. J'ai tout le temps. Faut juste pas que j'aille à Balambe, il me semble. Ok, je vais pas continuer les cartes tout de suite. Je vais faire les trucs annexes parce que maintenant j'ai accès à les trucs annexes. Balambe, Choumi. Très bien, il faudrait que j'aille par là-bas. Si possible. Merde. Ou sinon, je peux aller au Choumi Village dès maintenant. Mais je sais pas si j'ai envie d'y aller tout de suite. Ah. Est-ce que cette petite boule ne serait pas... un truc intéressant? Choco Boy. Est-ce qu'il fout tout seul dans une forêt? Un chocapo. Ça coûte cher. Ah, la peau est gratuite, mais l'explication coûte 1000 balles. Moi, ça va, je suis riche. En plus, le pauvre, il doit être son seul moyen de se nourrir. Repérer les bébés grâce au choco sonore. Choco aimant permet d'attirer les oisillons. Ok. Puis sur X pour activer, puis B en marchant. Ah, il faut tirer tous les... Ah oui, c'est, je me rappelle. Ok, donc c'est XB. Ah oui, si on n'y arrive pas, il peut nous l'attraper. Donc là, il est activé. Non, il n'est pas activé là. Repérer. Ah oui. Ah. Donc là, attirer. Tac. Mignon. Ah mais oui, je me souviens.
je sais plus comment ça marche. Genre, il y en a qui vont remonter là, non? Eh ben oui, forcément. Je sais plus comment ça marche. Là, il faut que j'en trouve un autre encore. Mais là, ça va faire remonter celui du haut. Ah non, il y en avait un autre. Deux autres même. Ouais. Toujours pas bon. Là. Je sens qu'ils vont me chourer mon truc à force. Ah bah voilà. J'ai rien compris. Mais nique-toi. Incompréhensible ce truc. J'ai regardé sur la solution. Il m'a déjà saoulé. Je suis où là? Val de Solvar. Ah, c'est pas forcément la première forêt en fait. Bon après, il n'y a pas vraiment de première forêt je pense. Mais je vais quand même essayer de trouver l'autre. L'autre, elle est pas loin apparemment. Merde, j'arrête pas de me poser alors je veux pas me poser. Elle est pas loin, mais je pense que pour y aller, il faut que je fasse tout le tour de la chaîne de montagne. Elle est par là, je crois. Enfin, je regarde la map des sources aussi, hein. Des sources de magie. Un carré bizarre là-bas. Parce que il y a des sources de magie sur la map et il y en a des pas mal. Mais je sais pas si j'y ai accès là. Déjà, je peux pas aller sur les deux îles cramées là. Quoique, celle-là, c'en est pas une. Non, c'est pas l'ombre. Ah, ça, c'est la fac de Trabia, je pense. Enfin, anciennement, la fac de Trabia. Ah, c'est ça. Alors, hop. Ok, ça ressemble pas du tout au screen que j'ai. C'est encore une autre forêt. Mais les trois forêts sont au même endroit, what the fuck? Non. Non mais tais-toi, je m'en vais. C'est quoi ce bordel? Pourquoi toutes les forêts sont au même endroit? Merde. Et là, il y a une autre île. Ah, mais c'est là où il y a le village. Ouais, on ira plus tard. Ça doit être par là, non?
Leurs screens là, ils sont minuscules sur les sites avec les solus, c'est trop chiant. Je vois jamais où il faut aller. Ça passe là. Ah, c'est celle-là? Mais non, mais c'est là où j'étais tout à l'heure, ça. Non? Ouais, non, non, c'est là où j'étais tout à l'heure, ça. Putain, j'en ai marre. Sur le screen, il est... Ah, bah attends, mais je peux afficher la map en plus grand, non? Ah bah non, erreur 404. Ah si, je peux afficher le screen en plus grand. Donc c'est vraiment genre... Attends, mais... Leur map est différente de la mienne. Non, c'est vraiment là sur la pointe en haut. A priori, donc c'est de l'autre côté de cette chaîne de montagne. C'est là où j'étais juste avant en fait. Pourquoi j'ai rien vu? Parce que je suis aveugle. Des eaux, mais y a rien. Attends, je vais essayer de me placer exactement là où ils sont sur le screen. Ah, c'est peut-être là en fait. Attends. Ça y est, ça me saoule déjà. Attends. Sur le screen, ils sont genre par là. Voilà. Et là, eux, ils sont sur le continent et il y a une forêt juste en face d'eux. Ça n'a aucun sens. Attends, j'essaie de voir, c'est peut-être sur l'autre île, mais je pense pas. J'ai fait le tour, mais pas du bon côté. Hop. Ah, il y en a une là aussi. C'est celle-là en fait. Trop mal expliqué le site. Mais attends, mais dans le site, ils disent qu'il n'y en a qu'un. Ah, mais je suis censé lui parler. Je trouve con. Beau boulot.
Ouais, trop bien. Ouais, je pensais à l'invoquer de temps en temps. Ouais, meilleure musique de Chocobo. Je dis ça à chaque fois. Il y a les empreintes sur la neige, trop bien. Ouais. Je peux pas ouvrir le menu pendant le quand je suis sur le chocobo. Oui, il se casse complètement, très bien. Ok, donc Choco du coup, enfin Boko du coup c'est pas une... Pourquoi il est en noir? Ah merde, il est mort. Ah, quand on dort ça reste pas les GeForce. Ah mais peut-être parce que j'ai pas dormi en fait depuis... depuis longtemps. Est-ce que je fais un aller-retour? J'ai grave la flemme. J'irai me soigner, je sais pas où. Non mais arrête de te poser, alors que je veux avancer. Ok, donc là maintenant il faut que j'aille sur l'autre continent. C'est là où j'étais tout à l'heure en fait. C'est de l'autre côté. C'est celle-là normalement. Merde. Alors j'espère que les monstres sont pas trop forts. Oula. Il a l'air fort quand même. Il a encore beaucoup trop de vie, lui. Il pépé. Est-ce que Fury, ça intéresse quelqu'un? Pas vraiment. We'll be right back.
fait, je suis trop con, j'aurais dû aller me soigner parce que là, il y a des points de GeForce qui vont partir dans... Ouais, putain. Dans le vent. Parce que Léviathan aurait pu les choper. Ah, du coup, il y a la musique tout de suite. Trop bien. Je sais pas si ça se voit, mais je suis en galère avec les touches là. C'est horrible. Ah mais oui, ok, en fait le but c'est qu'il en reste qu'un. C'est ça que j'avais pas compris avec l'explication. Je dois partir avec ce chocobo. Alors, et là, du coup, c'est à côté de la fac de Travia, donc c'est par là-bas. Je sais pas si je peux y aller à d'autres chocobos. On va essayer. C'est compliqué pour moi de ne pas chanter sur cette musique parce que quand j'étais plus jeune j'avais alors j'avais pas écrit des paroles mais j'avais improvisé des paroles. Paroles qui parlaient essentiellement de FF9 d'ailleurs. Ça parlait de Jidan et tout donc complètement à l'ouest. Et je me rappelle encore des paroles. Je me souviens pas de ce que j'ai fait il y a 5 minutes, par contre les paroles de musique que j'ai chanté peut-être une fois à, je sais pas, à 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Ça je m'en rappelle. En vrai j'ai dû la chanter 20 fois au moins, pas une, parce qu'on l'a enregistré plein de fois. On s'amusait à s'enregistrer et ensuite à pitcher le fichier son pour qu'on ait des voix aiguës et tout, et ça nous aidait. C'était longtemps avant les chipmunks et tout là. Alors... Quoi? Ah mais au secours. Ça m'en ouf, les touches, ça m'en ouf. Il y a trop de touches. Ok, donc là c'est bon. Hop. Ce que je dois faire, c'est faire en sorte qu'il n'y ait que un seul bébé chocobo pour faire apparaître la mère. Si
C'est un peu un puzzle game, mais mal expliqué et mal foutu. Donc sans la solution, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un enfant qui nous explique, donc on peut pas trop lui en vouloir. Ah mais bon, c'est son gagne-pain, donc je sais pas, depuis le temps, il a dû quand même affiner un peu ses explications et il aurait dû avoir un truc mieux que ça, non? Alors, la prochaine forêt, je pense pas que j'y ai accès pour le moment. Ok. J'ai un doute. Bon après, en vrai, je suis pas obligé de le faire maintenant. Je vais retourner à la BGU. Ça aurait été cool que sur la version remaster, ils remettent le mini-jeu Tamagotchi là qu'il y avait avec le Pocket Station. C'est vrai que oui, non, c'est vrai que vu son business model, c'est logique en fait qu'il nous explique mal. Vu qu'à chaque fois que je rate, je me fais voler l'appât, donc je dois en racheter un. Et si vraiment j'en peux plus et tout, il me propose d'en prendre un à ma place. Bien vu. Ok, donc Chocobo, pour le moment, on va mettre de côté. Est-ce que je vais tout de suite au village où... Ouais, allez, je suis à côté. Village Shumi où j'étais absolument jamais allé, je crois, à l'époque. J'avais même pas remarqué que sur la map, il était affiché comme ça. Ou alors j'y étais allé et j'avais rien compris, peut-être. Comme souvent. Oui, par contre, il faut que j'aille dormir quelque part. Je me souviens plus si on peut se soigner au village. Non mais allez, je vais me soigner, je vais essayer de faire vite. Hop. Retourner au dortoir. Il faut que je regarde si ça soigne les G-Force ou pas. Merde, non, non. Je crois que ça va niquer toutes les associations. Ah non. Non, c'est bon. Je suis allé trop vite. Bon, ça a soigné tout le monde. La G-Force est soignée. Ils ok. Ouais, du coup, avec les 10 points, là, elle aurait fini d'apprendre ça. C'est pas grave. Sauvegarde, j'espère que je vais pas avoir à refaire les associations. Je pense que si je prends la même équipe, y a pas de raison.
Et hop. Ok. Et bah du coup, go au village. C'est pas du tout rassurant. Hop là, putain, 10 ultima en plus, jackpot. Ultima, j'avais mis sur vigueur, je crois, et j'étais à... Je sais plus à combien j'étais. Là, du coup, je suis à 97. Nice. Enfin, je pense à revenir de temps en temps pour en reprendre. Même ça qui est mieux. Hein. Est-ce que je peux mettre... Bah non, je peux pas mettre Ultima ici, ça n'a aucun sens. En vrai, je vais peut-être mettre Somni ici et... Ouais, mais du coup, mon Ultima servira à rien. Après, je pourrais le donner à quelqu'un d'autre éventuellement. Morphée, c'est bien aussi. Sachant que Morphée, je peux aussi les prendre chez le perso qui a pas attaque élémentaire, là. Enfin, attaque mentale. Je vais faire ça. Comme ça, lui aussi, il endort. Du coup, ici, je mets ça. Et alors, Ultima, il y a peut-être moyen de le mettre ailleurs, non? Pas vraiment. Ah, je peux le mettre en... Ouah. Je peux le mettre en défense, mais en fait, c'est pas si bien que ça. Donc, magie... Squall, échange, Ultima, tu le donnes à, peu importe, non? Attends. Donc lui, il a 100 morphées, il en a besoin. Lui, il doit avoir des morphées aussi. Ah oui, il en a plein. Morphée impossible. C'est toi, morphée impossible. Prendre. Voilà, comme ça, lui aussi, il est à 100. Et Jean-Louis, est-ce que son... Est-ce que je peux mettre Ultima quelque part? Bah, pas vraiment. Ah si, là, c'est pas mal. En défense, ouais, bah, enfin bon, je sais pas si c'est bien utile. Bon, mieux que rien. Après, je sais pas s'il vaut mieux être un peu solide partout ou absorber un truc en partout. Ça dépend du donjon où je suis, en fait. Je vais mettre ça pour le moment et on verra après. S'il y a mieux ou pas. Et du coup, cyanure... Non, ok. Je pensais que c'était mieux, mais pas vraiment. Très bien. Tellement bizarre cet endroit. Une autorisation spéciale. Ah oui, et du coup, en fait, le village il est sous terre. J'avais oublié. Le dôme, c'est juste l'entrée, en fait. Trop bien.
Informer s'étonne de ta présence. C'est qui informer? Nous échangeons nos pierres précieuses avec des marchands. J'ai rien compris. 323 mètres de profondeur. Ok, donc en fait, ils minent des minéraux. Petit hôtel. pourquoi pas? C'est gratuit? Mais du coup, j'aurais pu le faire ici. Et il fait presque un dab. Stylé. C'est vrai que c'est bizarre que les Moombas soient pas. Ils se sont peut-être dit qu'ils avaient déjà trop de mascottes et tout et que ça suffisait, je sais pas. Bah ouais, ils sont cool, puis surtout, enfin, je sais pas, y a jamais trop de mascottes. Ça dépend si tu veux faire un FF chiant et ultra fade comme le prochain. Je peux pas y aller. Salut PDZ Maxis. Petit parallaxe chelou. Il fait quoi, il s'étire? Ah putain, il va pas me laisser aller à la source. Ok. Il veut pas me laisser passer. Cette grenouille. Ah, encore un timber. Oh, on voit presque la couverture. C'est marqué timber en haut. Il y a des visages chevaux. Ça veut dire qu'il y a vraiment un design du truc, quoi. Enfin, genre, voilà quoi, ça a été réfléchi un minimum. Il y a des robots en Pourquoi prend pas le Timbermaniax? Ok, stylé. Petite réutilisation d'assets. Pourquoi il fallait pas prendre le Timbermaniax? Ah, ça t'enlève un personnage dans le prochain rêve. Sérieux? Genre, ce manuel-là, il enlève. Je sais que tu peux ne pas avoir Ward si tu demandes pas dans le premier. Dans le rêve au début du CD2. Si tu demandes pas des nouvelles de Ward. Mais je savais pas pour ça. Bon, trop tard. Ouais, mais du coup, si je prends pas le Timbermaniax, il y aura pas la.
J'aurais pas la quête, si? Ou alors faut que je revienne le chercher plus tard? Parce qu'en vrai, je peux encore charger ma save s'il faut. Ah oui, donc après le truc à Central, là, c'est ici qu'il a atterri. Bah ouais, moi je veux bien. Dans ce Timbermanek, il parle du film, et Howard n'est pas dessus. Mais il n'y a pas eu de dialogue quand j'ai pris le Timber... Enfin, il n'y a pas eu de truc particulier. Je récupère le CD3. Ouais, donc en gros, il faudra que je revienne pour le prendre au CD3, le Cybermaniac. Attends, mais en vrai, j'ai pas genre une... Comment ça, les Cybermaniacs, on peut les lire à la BGU? Je savais même pas, putain. Ok, j'irai voir après. Ouais, c'est pas important, mais si je peux l'avoir, je préfère l'avoir. Effectivement, en fait, je suis du Shumi Village, c'est le numéro 9, et donc je suis censé le choper beaucoup plus tard. Ok. Ouais, effectivement, c'est marqué sur le wiki. Si on le prend avant le truc de Laguna dans les montagnes, là, il n'y aura pas Ward. Ok. C'est... C'est vrai que sa tête, elle est un peu chelou. C'est moche du coup, parce qu'on a accès au village, mais il faut pas prendre certains trucs. Mais c'est bon, je relirai quand je referai le passage. Laisse-moi tranquille. Au secours. Au secours. Mais chut... Putain... C'est genre le dialogue le plus long du village et je veux pas le lire maintenant. J'espère que j'ai sauvegardé quand même. Oui, c'est bon. Alors, hop. Yes. Donc, lui je lui avais déjà parlé, là il n'y a rien. Ok. Donc je le prends pas pour le moment. Et si je lui parle et qu'il me montre les voitures, là ça fait quoi? Il les met par-dessus?
Ah putain, on peut jouer aux cartes contre eux. Je vais essayer. Ah putain, non, ils ont aléatoire. Nick. Jamais. Il dit que c'est l'une des formes. Je sais plus si on apprend. Bon, j'imagine qu'on apprend à un moment c'est quoi les autres formes. C'est ancêtre, du coup, j'imagine. J'avais dit qu'il fallait que je fasse un peu de tri dans les magies, mais j'avoue que j'ai la flemme. Ah oui, donc c'est ça l'autre forme en fait. Ouais, mais il sourit en fait, j'avais jamais remarqué. Bah, ils avaient cette tête, mais ils étaient plus flous, non? Enfin, je regarde leur des screens de la version d'origine. Bon, par contre, je veux pas dire, mais l'ancêtre, il a littéralement une tête de bite. Avec ces espèces d'oreilles là, ça fait genre. Bref.
Je vais essayer, mais... Ouais, non. Si aléatoire, je refuse de jouer. Déjà rechargé? Moi qui suis aveugle. Team snob. Voilà. C'est celle-là. Cette pierre est bleue. Bien vu. Ici, mais c'est pas celle-là. Celle-là, je crois. Donc le roc de vie, c'est celui qui est vers les racines. Donc je vais aller chercher un truc à boire pour tenir encore un peu. Elle a déjà rechargé la source d'Ultima. Go go go. Ça recharge vite en vrai.
Bon, après, c'est cher, mais... C'est pas celle-là normalement. Pourquoi j'ai pris ça moi? C'est pas dans la cuisine normalement? Non mais attends, c'est l'autre maison. Putain, je suis perdu. Je vais essayer de lui ramener, mais je crois pas que ce soit celle-là. Attends, mais la source derrière a encore rechargé. Oui, ça, c'est une pierre du lac. Ça va, calmez-vous. Et que les cœurs purs qui peuvent voir l'objet, c'est comme le pyjama, les vêtements de Link. Là.
L'arnaque. Ah, on le voit de près là, mais il y a l'autre avec son boule devant. Hein. Dommage. Ouais, techniquement, ça fait 17. En tout cas, ils ont rencontré Laguna il y a 17 ans après. Je sais pas combien de temps ils ont mis pour décider de faire une statue, mais. C'est vrai que ça avance pas très vite. Là, on voit un peu de près. Ouf. Ça t'apprendra à te plaindre. Est-ce qu'il vient de se renifler les aisselles? Alors, ouais, du coup, je me souviens plus comment ça fonctionne. Il faut l'utiliser en combat ou il faut la garder et il y a une chance que l'invoque se déclenche. Enfin, je regarde plus tard. Ça m'avait pas mal confusé. Ce mot n'existe pas, mais à l'époque, parce que j'avais, en fait, je crois que c'était un des premiers jeux. Je dis ça à chaque fois, j'ai l'impression. Je crois que c'était un des premiers jeux où j'avais utilisé l'action replay dessus. Et donc, en plus du niveau 99, bon, ce qui s'est retourné contre moi, il y avait un truc pour avoir tous les objets du jeu. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec un objet qui s'appelait Golgotha et je comprenais pas parce que c'était le nom de la GeForce. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. C'est un peu étrange. Bon, du coup, je vais sauvegarder là et je vais aller chercher à boire vite fait. Et je reviens. Ouais, la trad est bizarre, mais c'est comme pour le 9, il y a des trucs que je comprends pas trop, mais bon. C'est pas trop gênant, quoi. Une fois que tu t'y habitues, ça va. C'est juste que d'un FF à l'autre, c'est vraiment très bizarre parce que les objets qu'on a l'habitude d'avoir, ils ont des noms trop chelous. Ouais, le MT Psy. Ça va, c'est à peu près le même nom tout le temps. Red Cross. Saint-Doux pour le. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Heureusement qu'il y a les descriptions sur les trucs parce que sinon. Bref, je reviens. Thank you.
Ouais, après le coup de la traduction et des noms, c'est tout le problème. Enfin, le problème. Ouais, si, c'est tout le problème de la localisation. Mais en soi, ça me dérange pas qu'ils changent de nom. Que genre une plume de phénix en VO soit appelée complètement autre chose, mais ce qui est important, c'est que ça reste cohérent en fait. Et là, c'est non seulement pas cohérent avec les autres FF d'avant, et d'après du coup, parce qu'ils sont revenus dessus. Et en plus, c'est même pas cohérent dans le truc parce que, enfin, je sais pas. MTPsy, je sais même pas ce que c'est censé vouloir dire, mais. C'est expliqué nulle part dans le jeu, j'ai l'impression. C'est un peu étrange.
Tu souhaites pas donner d'ordre, mais t'en donnes quand même.
Ok, du coup c'est là où il faut retourner à Horizon. Je vais pas le faire tout de suite, je pense. Enfin, je vais peut-être aller à Horizon maintenant pour récupérer le truc, mais après je reviendrai ici quand je pourrai choper le Timbermaniax. Ah, mais ça tombe bien la paye. Ouah, 12. C'est sur quel stat Ultima chez lui là? Ah mais c'est sur... Ouais bon c'est pas mal en vrai. Mais du coup maintenant qu'il en a 12 c'est peut-être mieux de le mettre... Enfin 12 non. 39 plus tard. Ouais c'est mieux de le mettre sur une des stats là. Ouais, je sais pas pourquoi ils mettent ça ici. J'aimerais bien mettre vie là quand même. Là c'est 60, est-ce qu'il y a moyen de s'approcher de 60 sans y être avec une autre magie? Pas vraiment. Attends, parce que... Glacier cyanure. Non, pas du tout. Bon, j'ai laissé comme ça, on s'en fout. Retourner à Horizon pendant que j'y pense, sinon je vais oublier, je me connais. Ça passe là, ouais. Oh putain, faut se retaper tout le chemin à chaque fois. Toujours pas de musique ici. Est-ce que j'ai chopé des nouveaux trucs entre-temps? Je pense pas. Est-ce qu'il y a le mec qui parle des chats là ou pas encore? Ou toujours pas? Non. Il me semble qu'il y a un perso qui demande un truc à un moment. Et qui a une réponse marrante.
Ça se voit quand même qu'ils ont des traductions à la ligne et que ils ont pas toujours le contexte. Genre là, Squall a dit oui, on a rencontré l'artisan, mais il a un problème. L'autre a répondu WhatsApp, genre c'est quoi le problème, quoi? Et eux, ils ont juste vu WhatsApp, donc ils ont dû traduire quoi de neuf. Ce qui fait un peu bizarre. Ouais, j'ai un minimum bas. Je sais pas si on le voit pas dans l'inventaire. Ce serait bizarre. Ah, faut que je retourne à Timber pour donner le magazine à Zone. On peut monter là? Ouais, il y a le. Si tu parles plusieurs fois au gamin, ça fait plusieurs musiques. Mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi. Ils auraient pu quand même mettre une musique de base, quoi. Les dermes. C'est peut-être trop tard. Non, mais je l'ai déjà faite la quête. Enfin, la quête. J'ai déjà parlé plein de fois au gamin et il a hameçonné le vieux et tout. Tu peux choper un méga élixir? Je sais même pas si je l'ai eu du coup. Je sais plus ce que j'ai eu en faisant ce passage. Enfin, je pense à les utiliser ces trucs-là un jour, mais j'ai pas envie de les utiliser trop tôt. Ah, il faut retourner. C'est vrai que je suis pas retourné voir le vieux. Je vais faire ça là du coup. Il est mort le vieux. Il est mort, il a laissé des vies max. Pourquoi lui il peut pas? Est-ce que j'ai pris trop de magie sur lui et du coup il a plus aucun espace? C'est fort possible. Ah oui. Ouais, donc il va vraiment falloir que je range. Genre là, Glacier X, Brasier X, je peux les donner, je pense. Ouais, voilà, hop. Ça, lui aussi, il en a besoin, hop. Récup, il y a peut-être moyen de les donner à quelqu'un qui en a besoin. Qui peut, du coup... En fait, si je réunis tout chez quelqu'un, forcément, ça va améliorer... Lui, il est déjà à 100. Ouais, hop. Antisort, là, il n'y a que 7. Voilà, hop. Les trucs où j'en ai pas beaucoup, faut pas que j'hésite à les donner à quelqu'un d'autre. Pour compléter les stacks. Voilà.
Ah oui, il fallait que j'y aille avant, du coup. Je savais pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Ouais, bah après au début c'est compliqué de créer les matchs. Enfin, ça dépend en vrai. Si tu chopes des cartes, ça peut aller vite. Mais j'aime bien voler aussi quand même parce que ça donne plein de magies différentes au cas où, quoi. Mais c'est clair qu'à un moment il va falloir que je fasse le ménage, quoi. Merde, pourquoi je suis redescendu? Shumi, j'y retournerai plus tard. Je pourrais aller faire la quête à Windhill, je sais pas si j'ai envie. Je pourrais éventuellement aller chercher Odin, mais c'est peut-être un peu tendu, non? Je sais pas si je vais avoir le temps. Ouais, non, j'ai pas envie de faire Odin maintenant. Ouais, je pense que ça se fait niveau XP, enfin niveau combat quoi. Surtout que je suis 34 avec Squall. Mais vu qu'il est déjà 19h21, je sais pas si j'ai envie de commencer ça maintenant. Non, je vais aller à Windhill. Ah non, attends, en vrai j'avais dit qu'il fallait que je passe à Timber. C'est à côté en plus. Ouais, il y a plein de trucs utiles là-bas. Meilleure musique. Ouais, il y a un chat sur son fusil. Trop bien. Je l'ai jamais vu. Ah, c'est le père de la fille qui était là-bas. Ok. Pourquoi je suis nul là? Ah oui. Je sais plus où il est, zone. Non. Ah ouais, lui il file des trucs si on vient avec Lina, je crois. Ah non, lui c'est le fan de zone. À quoi ça sert ça? Genre, toutes les GeForce de base ont magie, GeForce volée et objet, non? Ah, c'est au cas où on les a enlevés avec ça, peut-être. Pour faire de la place. Thank you.
Il fait toujours le poirier. Il va avoir des abdos de ouf à la fin. On peut aller à droite là-bas. Ça a l'air ouvert maintenant. Ah, désert, non. Je tiens pas trop à retourner là-bas. Surtout que mon vaisseau est à côté de la ville. Ah putain. Faut pas genre la sauver, hein. C'est bon. Ça va vite les news. Ça m'aide pas beaucoup ça du coup. Je sais pas du tout où sont zones et machin. Peut-être qu'on peut pas encore les revoir. Un combat juste parce que je suis pas arrivé à rentrer dans la BG. En plus, c'est un coup en traître. Super. Je savais même pas qu'il y avait une entrée au village par ici. Ah yes. Je me souviens plus sur qui j'ai mis les antisorts. Sur lui, je crois.
Ah, la source, elle s'est jamais remplie depuis que je l'ai vidée, quoi. Tu peux pas prendre ça? Peut-être plus tard. Ça va, je fais ce que je veux. La pièce a l'air plus sombre que... Ah, ok. Qu'avant. On peut pas parler au chat. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Aléatoire identique plus, c'est mort. En vrai, vu le nombre de cartes que j'ai, je devrais tenter même en aléatoire, mais... Faut réfléchir, c'est chiant. C'est plus facile quand je peux choisir mes cartes. Même pas visiter les trucs. Coup de pression. Ouais, c'est pas forcément évident de trouver tous les morceaux. Après, quand tu sais que... Enfin... Une fois que t'as lancé la quête et que tu sais qu'il faut trouver des morceaux de vase, tu fouilles partout, donc c'est un peu mieux, mais au début, c'est un peu chiant.
Mais là, je sais qu'il y en a un, mais je sais plus comment... Il y a un truc avec le chat, normalement. Mais j'arrive pas à lui parler, déjà. Peut-être faut que j'aille voir les fleurs en bas, putain. Ah oui, d'accord, fallait lui parler par derrière. Niaou, diaou, orange, piaou, la miaou dame. Je suppose qu'en VO, il disait des nia partout. Il faut peut-être attendre en bas. Ok, je vais essayer d'attendre en bas. Ou alors faut sortir et revenir peut-être. Ou alors j'ai niqué la quête en parlant à la meuf avant de lancer le... Enfin, avant d'avoir le premier vase, le premier morceau. Rendez-vous à l'étage de l'ancienne demeure de Rain, vivre le fantôme, blablabla, parler à plusieurs reprises ainsi qu'à son chat, puis redescendez. Au bout d'un moment, vous apercevez Rain derrière le comptoir. Ouais. Ah là, elle a dit tu sens leur parfum. Elle n'avait pas dit ça tout à l'heure. Je crois.
Ok, je sais pas s'il fallait examiner les fleurs au premier plan ou attendre. Elle était pas déjà vieille il y a 17 ans, elle? Quand on joue Laguna? Ah. Ah putain. Yes. Morceau de as qui tombe comme une feuille. Parce qu'on voit pas bien la profondeur. Je suis nul à ça. Ou alors il donne plus rien peut-être. Si. Je sais pas si on peut le toucher plusieurs fois. Wow. J'avais oublié ça. Bon, j'ai pas trop insisté. Il y a des cides, si vous foutez là. Ah, c'est eux qui ont été recrutés par la personne sur la place. Je voulais voir s'il avait les règles de ballon, mais non. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Non. Il y a rarement des nouveaux trucs dans les boutiques. Encore choper des légumes. Il passe plus. Petit bâtard.
peut descendre là-bas? J'avais jamais vu qu'il y avait des trucs ici. C'est faire. Ok. Eh bien, je vais m'arrêter là du coup. J'ai encore une fois pas fait grand chose. Je pense que la prochaine fois, je ferai du coup Odin. Et peut-être l'autre GeForce qui vient après. Même si c'est un peu compliqué. Enfin bon, je verrai bien. J'aviserai.